Salut à tous, salut à toutes, c'est Fallows. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième épisode des packs opening totalement gratuits. Voilà, comme vous voyez, j'ai débloqué un coffre géant en bas à droite, ça se voit, bien évidemment. Alors, en fait, j'ai décidé maintenant, les packs opening, j'ai décidé d'en faire une série. Voilà, en fait, dès que je vais avoir un coffre géant, magique ou super magique, enfin, ça va être beaucoup plus rare, je vais faire des vidéos, voilà. J'ai trouvé un petit peu ce concept et on va voir, en fait c'est un petit peu une route vers la légendaire aussi, parce que j'aimerais bien en avoir un petit peu plus, parce que j'ai que le sorcier de glace, voilà, que j'ai eu avec un coffre magique, donc on est parti, hein. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, ça va devenir une série maintenant, voilà. Allez, let's go, on va ouvrir ces merdes en premier. Voilà, je sais, il n'y a que le coffre géant qui est pas mal. Bon, c'est tout ça, c'est pas le meilleur coffre pour la légendaire, hein, mais bon, c'est pas grave, on est parti. 43, ok. Un bomber. En fait, tout à l'heure, j'ai ouvert un coffre, j'ai même pas vu ce qu'il y avait. Je sais très bien qu'il y a demain avec eux de la merde. 7 mortiers. Waouh, putain, c'est génial ça. C'est génial, bien évidemment, c'est une blague. 3 chevaliers, ok. Ah, 5 esprits feu, ça c'est bien, 5 esprits feu. En plus, je crois qu'ils ont augmenté. Et maintenant, en fait, ils sont vraiment nickel. Franchement, je les utilise, ils sont vraiment super bien. Donc les deux meilleurs coffres, c'est le coffre à couronne et le coffre géant. Pour épique, le coffre à couronne sera encore mieux. Donc pour épique, pour les légendaires aussi. Voilà, pour les légendaires. A3, c'est bon signe. Non. Je lui avais marqué 3 cartes, mais si en fait, si j'avais pas eu de gemmes, j'aurais eu une épique ou une légendaire. Et bah, du coup, j'ai eu des gemmes, donc non. Alors 7 gargouilles et une valkyrie que je ne joue pas du tout. Pourtant, Q quand même plutôt forte. 52 or, ok. Une tour à bombe, ok, je jouais à tour à bombe, je ne joue plus actuellement dans mon deck. Et c'est un jeu. Pour l'instant, c'est pas terrible. Alors, on va passer à ça. Voilà, coffre à couronne, let's go. Alors, je vais un peu vite, hein. J'ai pas trop de temps en fait. Ok. Des gemmes, ok, ça c'est bien. Par contre, 4, dis donc, ça sent épique ou la légendaire. Hein. Oula. Ou la commune. Attention, est-ce que ça va être une légendaire ou une épique? Pas du tout, c'est de la grosse merde, je suis déçu. Bah, tant pis. Bon, on finit par ce merveilleux coffre. Enfin, c'est pas meilleur, franchement, c'est moins bon des coffres que je peux avoir pour cette série. Donc, il y aurait coffre magique, coffre géant et super coffre magique. Et celui-là, c'est celui où j'ai moins de chances d'avoir des épiques ou des légendaires. Voilà, donc. C'est pas grave, on va l'ouvrir quand même, hein. Allez, c'est parti, voilà. 1360 or, ça c'est vraiment bien. 1360 or, c'est pas négligeable. Oula, oui c'est vraiment très bien même. Ah, un miroir, bon bah voilà. Voilà, donc on aura, voilà, c'était la seule chance d'avoir une légendaire ou une épique. Et j'ai un miroir. Bref, miroir, c'est bof. Enfin, quoique, miroir, notamment pour la tentative sorcier de glace, parce que j'ai déjà fait une vidéo dessus. Tentative sorcier de glace, ça peut être pas mal, parce que miroir, pour miroiter les extracteurs, ça peut être pas mal. Bon, bref, on continue. 21 tours de l'enfer, c'est vraiment bien ça. Je joue tour de l'enfer. Et là, on va passer aux communes. Let's go. Bim. Alors, ça, non. Ça, c'est très mauvais. 186 Tesla. Vous voyez que j'ai joué énormément. Hein. 78 sur 200. Hein, bien évidemment, c'est de l'ironie. C'est pas du tout vrai. Voilà. J'ai plus rien du tout. Donc comme vous voyez, je suis redescendu à N6, hein, l'épisode d'avant avec un super coffre magique, l'épisode d'avant, je vous invite à voir. J'étais à N7, j'avais même dit j'aimerais bien rester à N7. Mais non, j'ai enchaîné les défaites, là j'ai pas mal de victoires, mais là regardez. Là, bim, défaite. Voilà, et victoire. Mais il y a beaucoup de victoires parce que j'affronte des mecs de mon clan aussi. Défaite, vous voyez, j'avais beaucoup perdu, je suis descendu à 1700 et quelques, j'étais à 2060 trophées, et en l'espace de 5 jours, je suis descendu à 1700 et quelques. Je peux vous garantir que c'est la rage. Voilà, donc il y a ce nouveau deck, voilà, celui-là, je le dis, il va me faire remonter à N7, enfin, j'espère en tout cas. Donc voilà, bon bah les potes, c'est la fin de ce pack opening, ça aura pas été fou, mis à part les 21 tours de l'enfer, il me semble, sinon ça aura pas été fou, mais bon, écoutez, n'hésitez pas à mettre un like, et à laisser un commentaire,
joli, bien évidemment. Ça me fera très plaisir tout ça. Et voilà. Donc je vais vous dire au revoir et à une prochaine vidéo. À bientôt.